Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour le jeu Ride, en fait, qui est en fait un jeu de moto, donc qui est sorti ce week-end, en fait. Donc il est arrivé aujourd'hui à la rédaction. Alors, pourquoi à la rédaction? Parce qu'en fait, je suis rédacteur en chef pour Zero Ping, donc du coup, ça me permet de vous montrer des jeux, bon, soit avant leur sortie, soit après. Bon, là, c'est après. Parce que le jeu est sorti sur Steam ce week-end. Donc voilà. Donc forcément. Donc c'est de Milestone. Je dis pas de conneries, il me semble. Oui, c'est de Milestone. Donc on va voir ça. Oh! Oh! Tenue en cuir. Ouah! Virtua Rider est votre identité dans l'univers de Ride. Ouais! Personnalisez votre pilote avec des accessoires pour que tout le monde le reconnaisse sur la piste. Et on va prendre une... On va prendre une... Non, un homme ou une femme? On va prendre un homme. Voilà. Alors, mon nom. Eh ben mon nom c'est... Tac. Marqué. Zero Ping. Voilà. Alors le prénom. On va marquer Blood. Non, Blood. Voilà. Nationalité. J'en ai français, allez. Voilà. Le visage. Il était très bien ce visage. Oh, la gueule des visages quand même. C'est quoi ces visages? Arrêtez. Pardon. Non. Bon, on va laisser le visage, hein. Voilà. La couleur de cheveux. Bon, on va laisser comme ça parce que c'est très bien. La coupe de cheveux. Bon, on va voir si ce qu'on peut. Ce qu'il y a. Oh mon dieu. Oh! Ah bah voilà! Coupe de cheveux. Bonnet. Mec, il est né avec son bonnet, vous voyez. Je me moque. Alors, course décontractée. Ah bah, course! Parce que nous on est sérieux. Par contre, il faudrait. Que je voie même pas. Voilà. Oh. Moto. Choisissez une moto. Mais gardez à l'esprit que ce n'est que le début. Plus vous remporterez de crédits, plus vous pourrez ajouter de modèles à votre collection. Ah, j'aimerais bien voir les touches manettes, ce serait cool. Alors celle-là, elle accélère, elle freine bien. Maniabilité, si c'est moins maniable. Bah, je suis désolé, mais. On va aller chez Triumph. Voilà. Êtes-vous sûr de ce choix? Bah plutôt, ouais. Découvrir les jeux de moto. Oui, je découvre. Je veux bien accéder. Je découvre, tout comme vous. Et oui, pour cette vidéo découverte. Nous découvrons. Alors, je préviens tout de suite, hein, je ne suis vraiment pas doué pour les jeux de moto. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je suis pas capable de prendre un virage. Prêt à apprendre les bases? Ouais. Accélérez le long de la ligne droite de départ. C'est bon, j'ai accéléré déjà. Lorsque les flèches l'indiquent, et prenez le premier virage. Ah mon dieu. Ah ouais, je vous le dis les gars. On est dans la merde. La ligne de couleur au sol représente la trajectoire idéale. Bon, enfin, elle change un peu de loin. Couleur en fonction de la vitesse à laquelle vous arrivez sur un virage. Si elle est rouge, vous avez intérêt à ralentir. Okay, je ralentis. Les traces noires sur le circuit sont de la gomme laissée par le passage incessant des motos. Roulez dessus pour mieux accrocher au circuit. Pour le moment, je me débrouille plutôt bien.
Parce qu'en jeu de course, je suis doué en voiture, mais alors en moto. Ride propose plusieurs niveaux de simulation en fonction de votre type de pilotage. Ah ben alors, il y a la version pour nul. La simulation était semi-pro. Ouais. Essayons le niveau de base maintenant. Niveau de base. Et on va essayer le niveau de base. Qu'on peut faire ? On peut faire le kiki. Certaines aides au pilotage s'activent automatiquement et facilitent la course. Ouh putain. C'est bon. Je suis passé les gars. Si vous tombez ou si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton rembobiner et corrigez donc votre c'est erreur. LB. Attention, parce que ce n'est possible qu'un nombre de fois limité. Ouais, 9 fois. Mais nous on va pas tricher. On va tricher. Maintenant, essayons le niveau pro. Oh mon dieu! Celui imaginé pour les pilotes expérimentés. Mais t'es malade! tu en as marre! La simulation devient beaucoup plus réaliste. Ah! Désormais, les freins sont commandés séparément. Ah, d'accord. Ah ça c'est trop pour moi. Ah voyez que c'est trop. T'es en voiture, pas de problème alors en à moto. Au niveau de la simulation, vous devez savoir gérer le TCS. Il s'agit d'un système d'antipatinage qui agit sur la roue arrière et vous empêche de chuter lors de l'accélération. Vous pouvez à tout moment régler son intensité. On va laisser en faible. Une dernière chose. Normalement, avant une ligne droite, le pilote se baisse pour prendre une position aérodynamique. Ah. Cette option peut être activée manuellement. Ouah. Essayons. Ouah. Voici tout ce que vous devez savoir avant de courir dans Rail. Vous pouvez quitter ce didacticiel depuis le menu pause. Ok. Vous pouvez aussi continuer à vous entraîner en simulation pro. Ben non. A tout de suite sur le circuit. On va quitter. Alors, par contre, on va aller dans les autres... Ben non. Non, en fait, on va quitter le tutoriel. Oui, je veux. Oui, je le veux. Ah là là. Moi, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Pour le moment. Faudra voir quand il y aura des adversaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un World Tour, un mode rapide. Allez dans les options. C'est comment? Non, c'est pas commande. Ok, c'est pas commande. Y a pas un truc activé manette? De toute façon, je suis sur manette 1. Le HUD. Alors, oui. Ah oui. L'audio bas. On va laisser comme c'est. L'auto 5, c'est quoi ça? Non, c'est bon. Ok. Donc, voilà. Bon. On va faire un mode rapide plutôt. On va faire une course rapide. Voilà. Alors, changer de moto. On a quoi comme moto? On accepte. Ah, faut en acheter. J'ai des sous. Des sous. Et si on prend... Si on va rouler. Ah. Oui. Bon, on va peut-être éviter d'acheter parce qu'en fait, le jeu est... Le jeu est en cours de review en fait par un des rédacteurs de Zero Ping. Ça va peut-être le gêner en fait. Donc, on va changer la piste, on va rouler avec la moto bleue. Et on va aller où? Allez où? Côte d'Azur. Ah, il y a pas mal de circuits, c'est plutôt cool. Enfin, de base en tout cas. Bien, on va aller à Miami. Oula.
sais pas si on va aller bien. Je sais pas. Donc circuit entier, circuit. Bon, on va faire le circuit entier. Et puis après, on essaiera. Non, en fait, on va pas aller à Miami. Attendez. On va aller. Côte d'Azur. Côte d'Azur d'abord. Circuit entier. Eh ben, c'est parti. Faisons le circuit entier. Voilà. On peut lancer. Attendez, option de la course, c'est quoi ça? Ah bah très facile, c'est très bien. Merci. Il n'y a pas illimité. Ah ok. Ah ouais, c'est bien. On va mettre 9. Physique. Ok. Ah c'est quoi son là? Automatique, très bien. On va laisser en faible. Bah, je suis désolé, hein. je suis pas très pro niveau moto. Donc je me sentirais allé, j'aurais mis plus élevé, mais là je vais voir déjà comme ça. Si on arrive à quelque chose, si on arrive à rien, eh ben on n'arrivera à rien. Mais bon, par contre, si on les pète, j'augmenterai. Ouais, c'est sympa, on peut apprendre l'histoire de la moto. Oh. Ah, il va faire chaud, les gars. C'est nous. Et ben, on est parti. Hop. Vroom, vroom. On peut accélérer comme un con ou... Ouais. Du con. Alors, comment est-ce qu'on peut changer? Ouh! Je sais pas si on peut changer lui en fait. On va rester comme ça. Parce que la vue intérieure, je vois pas la moto se coucher. Je sais jamais, je serais capable de me vautrer. Mais putain, on est en super facile là, vous êtes sérieux là? Mec, j'arrive même pas à les rattraper encore. Allez! Hop! Ah! Ah ouais! Allez, Smith! Mais purée! Ah, mais ils tracent en ligne droite. Ils ont quoi comme moto là pour tracer comme ça? Ah, je le sens! Eh, poussez-vous, les gars! Donc, on est sur PC, mais le jeu est sorti aussi sur console, donc sur PS4. Et je pense qu'il est sorti sur Xbox One aussi, parce que bon, il n'y a pas de raison. Ah! Ah putain, c'est quoi ce virage à la con? Voilà. Allez. Oh merde. Si, de rien du tout. Et oui, pole position. Ne t'excite pas. Ah. Mais me rentrez pas dans le cul comme ça! Oh putain! Allez, on va pas se laisser faire! Et combien de tours? 3 tours! J'en ai 3 tours et j'ai pas fait un tour. Oh mon dieu. Ah, j'ai oublié de freiner fort. Ah, et c'est, je sais. Ça freine pas. Enfin, faut pas faire comme une voiture quand on prend un virage en fait en moto. C'est tendu quand même. Allez.
C'est faire, non, mais oh, quoi, c'est connerie. Ah, on a fait le premier tour. On fou, on fonce, on les rattrape. Oui, on va se les faire. Oui, c'est bien, ça, c'est bien. Oh là là, bien négocié. Allez, on fonce, ça s'arrête pas. Oh, le jeu est plutôt sympa, graphiquement, parce que je sais que les jeux de moto, que ce soit sur console ou PC, ça n'a jamais été super. Et là, là graphiquement, bah, ça va. Bon, je dirais pas que ça envoie du lourd, mais... On se croit pas trop sur vieille console quand même, ça va. Non, franchement, plutôt bien fait. Il y a eu du travail, c'est plutôt cool. C'est de prendre les gens qui kiffent la moto pour des cons, on va dire. Parce que, putain, par contre, je suis en très facile, j'arrive pas à les larguer, quoi. Donc, what the fuck, quoi. Pourtant, regardez, je suis pas mal là, non enfin, peut-être je freine trop. Ah, il faut pas hésiter à donner des coups de frein dans les virages. Ben, ça va, je fais mieux que tout à l'heure. Je suis plus sûr de moi. Oula. Alors ça c'était quand même assez mal pris. J'assume complètement. Hein. J'assume complètement. Allez. Oui. Oui. Non. Oui. Peut-être. Ah putain, alors celui-là, je vois pas à part freiner comme un bœuf, on va dire. Ah non, mais graphiquement, putain. Hein? Pourquoi j'ai du mal à me pencher, là? Graphiquement, il envoie, hein. Il envoie. Pour un jeu de moto. Non, parce qu'avant, il y avait quoi sur... Je sais même plus le titre des jeux qu'il y avait, mais... C'est franchement pas génial, il y avait que ça, donc les mecs ils glandaient rien. Enfin, faut dire ce qui est vrai, hein. Ils ont rien glandé pendant beaucoup de temps. Bah c'est MotoGP, je crois. MotoGP, bah ils ont rien glandé. Enfin, je les ai essayés, hein, parce que c'était tout le temps la même chose. Et à force, ils prenaient les consommateurs un peu pour des cons, hein. Faut dire ce qui est vrai. Là, plutôt content. J'essaie de faire une roue, mais j'y arrive pas. Bon, je ne sais pas comment on fait. C'est pas grave. C'est très bien en fait que je fasse pas n'importe quoi. Hop là. Ah, ce circuit est assez long. Ah, sympa, là. Sympa. Et on freine! Bah comme ça, si vous vous demandez et que vous vouliez l'acheter, c'est très bien. Petite vidéo découverte dessus, ça vous permettra de savoir si vous aimez ou pas, quoi. En tout cas, y a pas chier, je préfère ça que MotoGP. Hein. Bah, pourtant, je suis qu'à une course. Et ça va, c'est un peu pour tout le monde, hein, parce que quand on a vu niveau des contrôles pro, contrôle pro, il y a plein de choses à gérer. Là, je suis en contrôle pro. Enfin, je freine tout ça, hein, c'est moi qui fais. Hein. Sinon, on peut lui dire de le faire à notre place, mais bon, quand même. Hein. Peut-être pas à ce point-là. Le freinage, c'est quand même mieux quand vous le faites vous-même. Quoi. Allez, on tourne. On tourne. Voilà, c'est bien. Un peu peur là. Alors, vais-je arriver enfin à négocier ce virage? Ou bah non. Bah non, toujours pas. Je crois que j'y arriverai jamais. Allez, on accélère, on freine. Voilà. Et là, c'est le virage de la mort qui tue. Hop, voilà. Voilà. Et les petits frises par contre. Alors je sais pas si, parce que nous on a pas une vraie version finale là. Faudra que je regarde. Je sais plus si c'est une version commerciale qu'on a ou pas. Donc je ne saurais vous dire. Bon,
Patrick un chouïa, mais vraiment très peu. Hein. Après, j'ai pas réglé, je te poussais à fond. Puis c'est vrai que j'ai activé la V5 à fond. Et la V5, en général, sur PC, c'est pas une superbe idée dans les jeux de course. Ça évite, en fait, la V5, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ça évite les déformations de l'image. Dans les jeux de course, il y en a masse, en fait, parce que ça va vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de l'impression de vitesse, elle est plutôt pas mal. Voilà, bon, on a fini, premier. Bah, c'est bien tout ça. On va rester comme ça parce qu'on les a pas largués en fait. Félicitations. Voilà. Vous venez de gagner vos premiers crédits. Ah! Augmentez la puissance de votre moto. Et offrez-vous de nouveaux accessoires. Ou investissez dans une nouvelle moto. Ok. Donc, on peut. Hein? Elle ne synchronise pas alors. T'arrives pas. Ok, bah, j'annule la synchronisation. Bon, on s'en fout un peu. Alors, bon à savoir, c'est qu'on peut customiser la moto, apparemment. D'après ce qu'ils ont dit. Bon, nous, on va pas essayer. Parce que ça va dépenser. C'est dépenser l'argent. Et dépenser l'argent, bah, ça le fait pas trop. On peut jouer à plusieurs. Remarquez, il y a ici, vous avez. L'écran partagé, la course chronométrée, la course rapide, donc. Et vous avez le World Tour. Bon, le World Tour, c'est pas mal. Sauf que nous, on va pas aller là-dedans. Parce que, bah, ça sert à rien. Vous avez un mode en ligne aussi. Donc assez complet, hein. Assez complet. Y a pas à dire. Bon, nous, on va faire quoi comme course, du coup? On a fait la Côte d'Azur, hein. On pourra aller à Milan. Sauf qu'on reste en France, on va à Manicourt. Manicourt ressemble à quoi la piche? Ah mais oui. Bah oui, logique, je suis con. Manicourt, c'est connu. C'est connu. Enfin, vous connaissez. Enfin, les fans de moto connaissent sûrement mieux. On va vous dire si c'est. Je pense que c'est les vrais circuits, hein, ça a l'air. Ça a l'air. Au Japon. On va pas au Japon. Où c'est qu'on pourra aller? Bah non, en Italie. Si on allait en Italie. À Milan. Je sais pas en fait. Où c'est qu'on pourra aller? Mais à Miami, ça me semblait pas mal, mais. Ouais, mais bon. Oh, puis allons au Japon, après tout. Allons au Japon. Ça peut être pas mal. On reste en full. Et on est parti. Je sais pas trop ce que je veux. Les chargements, bien rapides, hein. En tout cas, sur PC. Sur console, je ne sais pas ce que ça donne. Ça doit être un peu plus long, forcément. Enfin, faut dire qu'avec la bécane que j'ai, c'est logique que ça traîne pas trop. Sympa. Parce que j'ai plus envie qu'on ait l'impression qu'on soit un peu sur route que sur circuit. Histoire de voir bien le paysage. Bien, nous on est parti. On est parti. On le voit pas, mon super bonnet. On le voit pas. Mets-moi sel, les yeux, tout ça. Ouah, ça. Oh, me rentre pas dans le cul, toi. Allez, on va pas se laisser faire comme ça, là. Pas freiner trop parce que j'ai l'impression qu'il vous évite pas trop. Alors c'est un peu dommage au niveau de l'IA. J'ai pas l'impression qu'elle fasse attention à vous en fait. Après c'est peut-être moi, hein, mais enfin, par rapport au jeu de course que je joue habituellement, je vois ça rapidement quand l'IA fait attention à vous. Enfin, vous avez une flèche qui vous indique quand même où il est. Donc,
je ne sais pas. Bah, il doit quand même un peu piler quand vous êtes devant lui, hein. Et que vous êtes pas encore... On est troisième. On est troisième. Hop, hop, hop. Voilà. Oum. C'est parti. Donc, le jeu est édité par Bandai Namco ou Namco Bandai, je sais plus. Ils changent tellement de nom en fait dans le... Enfin, il doit y avoir Games au bout maintenant. Ils changent tellement que... Quel est savoir. Donc on l'a reçu par FedEx carrément, en envoi express. Vraiment sympa. Sympa d'avoir fait un envoi express. Ah, on sent de bordel là. Allez, on passe à gauche. On passe pas à gauche. Ok. Très bien. Enfin, franchement, les effets de lumière et tout. Oh, un pont. Ouais. Wow. Oh, j'ai failli me vautrer, je sais pas si vous avez vu. Je crois qu'il y a une LED de contrôle. Ou alors c'est moi qui ai redressé, je ne sais pas. Enfin, j'ai essayé de redresser en tout cas. Ah bah, excusez-moi monsieur, j'ai pas fait exprès. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai vraiment pas fait exprès là. Bah, le pauvre. Remarquez, les chutes sont réalistes, hein, vous avez vu. C'était pas mal. Allez. Oui. On a fait un tour. Non, on n'a pas fait un tour encore. Eh bien, il est géant ce petit circuit. Du coup, on va sûrement se quitter sur ce circuit. Je ne sais pas combien on est vidéo. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, plus on reste ensemble, mieux c'est, non? Ou pas, je ne sais pas, ça dépend si vous m'aimez bien ou pas. Allez, fonce. Ouais. En deuxième, ça va, c'est pas dégueu. Alors là, on freine un petit coup. Et on accélère. Là, mon Santos, là. Eh, hey, au Japon, bordel. Laisse-toi doubler. Alors si je prends l'intérieur, c'est une moitié en moto l'intérieur, c'est pas évident. Hein. Alors, je suis obligé de freiner. Je voudrais pas renverser Santos. J'ai déjà fait une connerie. Oh putain. Ouais. Bon, tant pis. Allez Santos. Et oui. Oh là là. Je fais n'importe quoi juste après. Putain, j'avais fait un truc magique. Bordel de merde. Ah, c'est bon là, c'est bon. Oh là là. Santos, il a rien vu venir. Oula. Là, Santos, calme-toi. Calme-toi mon petit Santos. Ah ouais, j'ai mal pu tourner parce que. Oh putain. Vu qu'il a touché un peu Maro. Ah, c'est bien fait ça par contre. Allez, on le prend à l'intérieur. Oh, oh non. Ah, je bataille. M'en fous, je l'aurai. Tiens, je t'ai eu, mon petit. Allez. Eh, t'as vu ? Forza, il m'a aidé, hein. J'arrive à mieux conduire en parlant. Surtout que la moto, c'est pas mon truc de base. Je dis ça et je fais n'importe quoi après. C'est quand même magnifique. Alors, pas mon truc de base, mais j'aime bien. Franchement, c'est plutôt cool. Je vais jouer un peu plus souvent, du coup. Alors, je ne sais pas combien le jeu aura au niveau... Enfin, vous verrez la review sur Zeropin. Enfin, vous la verrez passer sur Twitter, au pire, pour ceux qui me suivent sur Twitter. N'hésitez pas, hein, surtout sur YouTube, à suivre les réseaux sociaux, parce que
Grâce à ça, vous saurez en gros ce que je suis en train de faire en direct. Et vous aurez en plus les news et les tests PC, parce que nous on est spécialisé dans le PC en fait. Donc on est spécialisé dans le PC. Ça m'empêche pas de jouer à des jeux consoles, hein, comme vous le voyez. Hein. J'aime bien les deux. Mais au niveau du site, on est spécialisé dans les jeux PC. Voilà, voilà. Allez, roule ma petite moto, roule. On a combien de tours là? 2. Je vais y faire une connerie. Tout va bien. On peut rire. On va voir le rewind. On va voir le rewind. Tac, voilà. Bah, c'est bien, comme ça j'ai montré le rewind. Je voulais pas tricher, le montrer. Comme ça, c'est histoire de le montrer. Vous voyez comment il est. C'est plutôt simple. Voilà. Bon, je joue à la manette, hein, au clavier. Je ne sais pas pourquoi il y a des contrôles clavier qui s'affichent. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Une fois qu'on a compris, c'est assez rapide. Eh! Tu vas pas me faire chier sur le dernier tour, toi. Ah, parce que je le vois, il me colle au cul, hein. Oula. Oulala. Là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est... ah, je crois que c'est le disque, le record, il n'y a plus beaucoup de place. Il n'y a plus beaucoup de place. Ça frisouille un peu. Excusez-moi. Ah, c'est pas le jeu, hein, j'avertis. C'est pas le jeu du tout. On va essayer de finir la course comme ça. Parce que je dois arriver au bout des gigalités. Il n'y a plus trop de place sur ce disque. Ok, bah tout est bien en cours de record. Je regarde en même temps. Enfin, j'ai tourné la tête. J'arrive à jouer comme ça dans ces conditions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va. Oh là là! Le mec qui arrive à jouer avec très peu d'images par seconde. Ah. Allez, le disque! La femme, hein? Pas le moment! Hein. Je peux le faire! What? Il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. J'ai trop penché. Ça me paraît pas mal. Et ben voilà! Hop! Ah bah ça va mieux là! Ah, ça va mieux. Mais non, parce qu'en fait, je sais que c'est pas le jeu parce que Fraps me dit qu'il n'y a pas de chute de framerate en fait. Donc c'est le disque qui a saturé. Alors peut-être que Steam était en train de faire une mise à jour dans le jeu et que j'ai pas... Ah bah oui, ça se trouve c'était ça. Ah, ça m'étonnerait pas de lui, ça. Oui, parce que j'autorise des mises à jour en même temps que je joue. Bon, je vous avouerai que c'est pas forcément la même une idée très, très intelligente. Enfin, j'autorise. Non, je n'autorise pas en fait, c'est sur ce compte Steam là qui est autorisé en fait. Bon bah voilà. C'est pas grave, oui ça devait être ça, regardez, il n'y a aucun problème là. Allez. Ouais. Ouais. À pas se laisser faire. Hein. C'est ça. Je les dis quand ils sont utilisés en même temps, ils n'aiment pas trop ça. Allez, on est parti. Même si c'est du SSHD quand même. C'est de la technologie, les gars. Comme le SSD, mais en e-bailing. Et pour les jeux, bah, ça donne exactement pareil niveau rapidité et tout qu'un SSD. Alors, petit conseil, si vous voulez un disque de jeu rapide ou au niveau de vos applications, prenez du SSHD. Ne prenez pas du SSD. Parce que ça va vous coûter moins cher. Et puis... Et puis vous aurez plus de capacité surtout.
que le SSD c'est un peu cher. Enfin c'est un peu cher, non ça a bien baissé, mais pour du 4 Tera par exemple, eh ben, vous allez pleurer. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait nous? Et on fait confirmer, voilà. Et puis, bah non, ça dure pas. Oh non, mais ça devait être ça, c'était une mise à jour. Hein. Je vais regarder après, mais je suis sûr et certain. Donc, j'ai enlevé cette option-là. Je pensais pas que ça gênait autant dans certains jeux. Ah, voilà. Sinon, je vois pas. Je pense pas que ce soit le jeu. Hein. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Enfin. Voilà. Bah sur ce, les loulous, nous, on va se laisser. Enfin, j'espère que vous aurez apprécié, malgré ma conduite, pas forcément exceptionnelle dans les jeux de moto, qui n'est même pas exceptionnel. Mais je m'en suis bien sorti, et je trouve que bah j'ai fait une faute, mais bon... Ouais, c'est pas non plus de folie non plus. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous désirez l'acheter ou pas. Et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine les loulous. Bye bye.